Bien, bonjour. 1958. Cette incertitude prit fin avec l'apposition du mot truie au lieu où l'objet indicible est rejeté dans le réel. Un mot se fait entendre pour ce que, venant à la place de ce qui n'a pas de nom, il n'a pu suivre l'intention du sujet sans se détacher d'elle par le tiret de la réplique. Vous avez tous reconnu les propos du docteur Lacan dans sa question préliminaire à tout traitement possible des psychoses, que vous trouvez page 535 des écrits. 1970. Nous ne savons pas ce qu'est à proprement parler une hallucination. Nous ne sommes même pas capables de dire si le patient entend vraiment quelque chose, si c'est auditif ou auditif mental, parce qu'on est dans des catégories qui sont tout à fait insuffisantes pour faire fonctionner ce dont il s'agit. Jacques Lacan à l'hôpital Sainte-Anne, à l'occasion de la préparation par le docteur Daumaison en 1970 du rapport au congrès de neurologie et de psychiatrie de Milan. 1958-1970. 12 années séparent ces deux propos. En 58, on perçoit la puissance, l'optimisme aussi, d'une élaboration subordonnée aux principes, valant alors pour Lacan, de la primauté du symbolique. C'est le grand moment de sa thèse d'insignifiant exceptionnel, le signifiant du nom du Père, présent au lieu de l'autre dans la névrose, absent dans la psychose. C'est le grand moment aussi d'élaboration du fameux verdict lacanien, ce qui est forclos du symbolique revient dans le réel. En 1970, principe de la primauté du symbolique et thèse du signifiant du nom du Père, présent ou absent au lieu de l'autre, sont tous deux subvertis par une exigence, une constante pour Lacan, référant le risque de son enseignement à une expérience à nul autre pareille, celle de la psychanalyse. Lacan, rappelez-vous, a toujours affirmé qu'il enseignait à titre d'analysant. J'ai donc choisi d'entreprendre une lecture du phénomène élémentaire tel que Lacan en rend compte dans son enseignement en déclinant trois moments successifs. Le moment 58, celui de la question préliminaire. Le moment 70, Lacan invité à Sainte-Anne par le docteur Daumaison. Puis le moment 73, celui du séminaire encore, avec lequel débute ce qu'il est convenu d'appeler le tout dernier enseignement de Lacan. Trois moments pour lesquels il s'agira d'isoler à chaque fois
Le principe et la thèse, prévenant alors, tout en laissant apparaître la constance d'une méthode, la méthode Lacan. À ne pas oublier derrière la variable de la thèse et la vérité d'un principe à l'œuvre à tel moment de cet enseignement et non pas à tel autre moment. Alors voilà, c'est ce que j'essaie de vous fixer sur le petit schéma numéro 1 en mettant thèse et principe sous une même parenthèse, distinct de la méthode Lacan, thèse étant variable, vérité étant le principe et constance éthique de la méthode, au-delà des différents moments. Notons dès à présent, ça fixera les idées, les trois principes successifs qu'il nous faudra successivement isoler. Le principe 58, se faire dupe du symbolique. Le principe 70, se faire dupe de la structure, la différencier du symbolique. Et troisièmement, le principe 73, se faire dupe du réel. Premier chapitre, donc, le moment 58, ou se faire dupe du symbolique. C'est dans la question préliminaire à tout traitement possible des psychoses que Lacan déplie son fameux « je viens de chez le charcutier » murmuré par la patiente elle-même juste avant l'irruption de l'hallucination truie. Les deux pages 534 et 535 des écrits sont si précieuses pour chacun de nous aujourd'hui encore que je me propose de les reprendre quasi littéralement. Non sans omettre toutefois de les resituer dans le contexte de l'enseignement de Lacan en 1958. Et donc, en tenant compte de la thèse du moment, du principe au chef de celui-ci et de la constance éthique de la méthode Lacan. Commençons par la page 534 des écrits. Le cas en question, vous le savez, est celui d'une jeune femme hospitalisée à Sainte-Anne que Lacan rencontre dans le cadre de la présentation de malades qu'il menait régulièrement, déjà à cette époque, dans le service du docteur Domaison. Lacan écrit littéralement ceci. Page 534, donc. Je le cite. « La fille, lors de notre examen, nous produisit pour preuve des injures auxquelles toutes deux, c'est sa mère, et elle était en butte de la part de leur voisin, un fait concernant l'ami de la voisine qui était censé les harceler après qu'elles eussent dû mettre fin à une intimité d'abord complaisamment accueillie. Cet homme, figure au reste effacée, avait lancé à son adresse, en la croisant dans le couloir de l'immeuble, le terme malsonnant de « truie ». Sur quoi nous, peu enclins à y reconnaître la rétorsion d'un cochon, trop facile à extrapoler au nom d'une projection qui ne représente jamais que celle du psychiatre, lui demandâmes ce qui, en elle-même, avait pu se proférer l'instant d'avant. Non sans succès. Car elle nous concéda d'un sourire avoir en effet murmuré à la vue de l'homme ces mots dont, à l'en croire, il n'avait pas à prendre ombrage. Je viens de chez le charcutier. Qui visait-il? Elle était en peine de le dire, nous mettant en droit de l'y aider. Pour leur sens textuel,
Nous ne pouvons négliger le fait, entre autres, que la malade avait pris congé le plus soudain de son mari, de sa belle-fille aussi, de sa belle-famille, pardon, et donné ainsi à un mariage réprouvé par sa mère un dénouement resté sans épilogue, à partir de la conversation qu'elle avait acquise que ses paysans ne se proposaient rien de moins que de la dépecer. Qu'importe cependant qu'il faille recourir au fantasme du corps morcelé pour comprendre comment la malade répond ici à une situation qui la dépasse. Fin de citation. Arrêtons-nous un instant à ce point de témoignage. Trois remarques. Première remarque. La page fait partie du chapitre 1 de la question préliminaire intitulée « Avant Freud ». C'est dire l'importance accordée par Lacan à la clinique psychiatrique traditionnelle des écoles françaises et allemandes du XIXe siècle, et ce, tout au long de son enseignement. Quelle est la différence entre névrose et psychose ? Demande-t-on à Lacan en 1968 dans un entretien mené par le journal Tonus, journal médical fort connu des internes de l'époque. Et Lacan de répondre, celle que vous trouverez dans n'importe quel manuel de psychiatrie. D'où le plan Lacan, adopté pour cet écrit majeur de 1958. Avant Freud, chapitre 1, c'est le chapitre de la clinique psychiatrique du XIXe siècle, toujours d'avant Freud d'une certaine manière, ainsi que le rappellera Lacan en 1973 dans son introduction à l'édition allemande des écrits. Deuxième chapitre, après Freud, c'est le chapitre proposant une critique raisonnée des auteurs post-freudiens, en tant qu'ils oublient et Freud et la clinique psychiatrique traditionnelle d'avant Freud. Et troisièmement, avec Freud, chapitre 3 à 5, chapitre dans lequel il est plus que jamais crucial de ne pas oublier la méthode Lacan, c'est-à-dire nous servir de la clinique psychiatrique traditionnelle, non pour la prolonger, mais pour l'éclairer avec Freud. D'où mon deuxième petit schéma, où nous pourrions faire une flèche du avant Freud et réuni avec Freud, et le après Freud au milieu, qui finalement oublie et l'avant Freud et Freud. Deuxième petit schéma. Donc. Dans ce chapitre 1 de la question préliminaire, il s'agit pour Lacan de se centrer sur le phénomène hallucinatoire tel que l'isole la clinique psychiatrique traditionnelle, Lacan invitant la patiente à lui apprendre ce qui, en elle-même, avait pu se proférer l'instant d'avant, ce qui va permettre à la patiente de témoigner du fameux « je viens de chez le charcutier » allusif. D'où mon petit schéma numéro 3, hein, où je mets dans la rubrique du chapitre 1 avant Freud, le « juste avant » que lui demande de lui apprendre Lacan quand il s'adresse à sa patiente. Deuxième remarque. La deuxième remarque porte sur le sort accordé par Lacan en 58 à la jouissance. Lacan, remarquons-le, ne fait pas l'impasse sur cette question. Il rend compte des propos de la jeune femme indiquant, je le cite, que ses paysans ne se proposaient rien de moins que de la dépecer. Mais,
le sens joui relève alors pour Lacan de la catégorie de l'imaginaire. Une considération subordonnée au principe 58, se faire dupe du symbolique. Cela changera quelques mois plus tard avec le séminaire L'éthique de la psychanalyse. C'est précisément la méthode Lacan. Développer avec la plus grande rigueur les conséquences logiques du principe à l'œuvre, mais non pour idéaliser le principe, mais pour l'élucider, quitte à modifier le principe à l'œuvre afin de tenir compte de l'impasse ainsi dénudée, dont témoigne l'expérience d'une psychanalyse. Et en 58, le principe Lacan, déplié dans les chapitres 3 à 5, c'est celui d'une primauté du symbolique sur l'imaginaire, la jouissance relevant alors pour Lacan justement de cet imaginaire. Troisième remarque. La primauté du symbolique, principe 58, n'apparaît qu'en filigrane dans ce chapitre 1, puisque ce chapitre se réfère à la traite de la clinique psychiatrique traditionnelle. Toutefois, pour le lecteur que nous sommes, il s'agit de nous y référer absolument. Lacan, en y fondant sa critique du terme de percipiens, qualifié alors d'increvable, page 541, je le cite, « La relation entre le signifiant et le sujet que cette analyse découvre se rencontre dès l'aspect des phénomènes », précise Lacan, page 536 des écrits. Dès les premières lignes de la question préliminaire, il s'agit en effet pour Lacan de récuser l'idée d'un soi-disant percevant autonome, conforme aux théories post-freudiennes d'un moi maître de ce qu'il observe. Une critique à lire à partir du principe des lois générales du signifiant et tenant compte de la thèse 58, celle d'un sujet que Lacan écrit alors « grand S », le sujet de la question préliminaire. C'est le sujet du schéma L du séminaire 2, repris tel quel dans le chapitre 3 de la question préliminaire, page 558. Un sujet, certes, effet du grand autre, trésor du signifiant, des signifiants, mais qui également emporte, repérons-le bien, la question d'une existence, le sujet ineffable et stupide existence, précise Lacan en 58, page 549. D'où mon petit schéma 4, où je mets en haut et à gauche, à propos du fameux sujet grand S, le terme d'existence. Le perceptum, remarquons-le, ne trouve pas tellement plus de faveur auprès de Lacan en 58 que le terme de percipiens. Qu'il s'agisse d'une hallucination visuelle, auditive, psychique ou motrice, motrice verbale, le crucial réside à cette date pour Lacan dans le fait que le phénomène hallucinatoire soit lui-même subordonné aux lois générales du signifiant. D'où la question de Lacan à sa patiente, ce qui en elle-même avait pu se proférer juste avant l'irruption du phénomène. Le fait que la jeune femme, je cite Lacan, ne puisse préciser qui était visé par les mots ainsi proférés, trouve ici toute son importance. Ce n'est pas seulement
le principe des lois générales du signifiant, qui ici s'annonce en filigrane, c'est la thèse de la forclusion du nom du Père et de l'effet de trou à la place du phallus de chi qu'elle implique, qu'il s'agit de ne pas oublier pour saisir la lecture commise par Lacan dans son chapitre 1 concernant le phénomène hallucinatoire. En 1958, la métaphore paternelle apporte un index à la question de l'existence qu'emporte le sujet avec lui. Index via la signification phallique que ne fournit pas grand A pris comme préalable. D'où mon petit schéma numéro 5 où j'ajoute l'hypothèse du signifiant du nom du Père au lieu de l'autre, en bleu, avec une flèche vers existence en haut à gauche, la flèche étant bien sûr barrée par l'axe imaginaire A'. Lacan en déduit logiquement une particularité dans la psychose. Si P0 et donc si phi 0, thèse 58, alors, sous l'égide du principe primauté du symbolique, ce qui revient dans le réel, c'est un code sans sujet et c'est un message sans partie lexicale de la phrase. La logique impeccable 58. N'est-on pas frappé, conclut Lacan, par la prédominance de la fonction du signifiant dans ces deux ordres de phénomènes, d'un code constitué de messages sur le code et d'un message réduit à ce qu'il, dans le code, indique le message. Page 540. Reprenons la page maintenant 535 des écrits, la deuxième page que je souhaitais avec vous isoler et commenter. Nous en étions donc restés au témoignage du fameux « je viens de chez Charcutier » murmuré juste avant que survienne l'hallucination du mot « truie ». Voici la suite, page 535. À notre fin présente, il suffit que la malade ait avoué que la phrase « je viens de chez Charcutier » était allusive, sans qu'elle puisse pour autant montrer rien que perplexité quant à saisir sur qui des coprésents ou de l'absent portait l'allusion. Car il apparaît ainsi que le « je », comme sujet de la phrase, laissait en suspens la désignation du sujet parlant, aussi longtemps que l'allusion, dans son intention conjuratoire, restait elle-même oscillante. Cette incertitude prit fin avec l'apposition du mot « truie », lui-même trop lourd d'invective pour suivre isochroniquement l'allusion. Et Lacan de conclure, au lieu où l'objet indicible est rejeté dans le réel, un mot se fait entendre pour ce que, venant à la place de ce qui n'a pas de nom, il n'a pu suivre l'intention du sujet sans se détacher d'elle par le tiret de la réplique. C'est notre première citation d'introduction. Rejoignant dans son opacité l'éjaculation de l'amour, quand, à court de signifiant pour appeler l'objet de son épithalame, il y emploie le truchement de l'imaginaire le plus cru. Je te mange chou, tu te pâmes rat. Vous savez que l'épithalame, c'est un petit poème pour célébrer un mariage. Épi veut dire
sur ta lame, le lit nuptial. Deux remarques. La première concerne le terme de perplexité utilisé par Lacan à propos du « je viens de chez le charcutier ». Le terme de perplexité, minutieusement choisi par Lacan, est à lire à partir de la thèse et du principe 58 exposé dans les chapitres 3 à 5. Ce n'est pas la perplexité de 1975. Si le signifiant du nom du Père est absent au lieu de l'autre, alors, à la place de la signification elle-même, se présente un vide énigmatique, parfaitement logique, puis une certitude que Lacan considère comme degré deuxième, puisque c'est une signification de signification prenant un poids proportionnel, précise Lacan, au vide énigmatique qui se présente d'abord. Page 538. Il ne nous suffit donc pas d'isoler les termes de perplexité et de certitude. Il faut les lire ici avec le principe 1958, primauté du symbolique et primauté des lois générales du signifiant. Et il faut le lire aussi avec la thèse 58, celle d'un signifiant, du signifiant du nom du Père, présent au lieu de l'autre dans la névrose, forclos dans la psychose. Deuxième remarque, elle porte sur ce que Lacan qualifie ici d'objet indicible. L'objet indicible de 1958, ce n'est pas l'objet inaudible, invisible, inavalable, inchiable que Lacan, à partir de 1963, qualifiera d'objet petit a. L'objet indicible de la question préliminaire ne concerne pas la jouissance, relevant alors pour Lacan de l'imaginaire. Il se déduit des seules lois générales du signifiant. C'est le principe 58. Deuxième remarque. Cet objet indicible se distingue toutefois radicalement de la fameuse relation d'objet si chère au post-freudien de l'époque. Dès le séminaire 2, Lacan n'a de cesse de récuser la thèse contemporaine de Bouvet, sans doute le meilleur des post-freudiens, faisant miroiter le leurre d'une relation d'objet harmonieuse. Pour Lacan, avec Freud, il n'y a pas d'objet adéquat. L'objet est perdu de toujours. D'où mon petit schéma numéro 6, où j'ajoute cet objet indicible distinct de la relation d'objet imaginaire et où j'insiste sur cette affinité entre le Lacan avec Freud éclairant la clinique psychiatrique d'avant Freud et la rupture que représentent les post-freudiens et Bouvet, son meilleur élément par rapport au frayage que fait Lacan avec Freud.
Faisons le point sur ce moment 58. Il ne suffit pas de repérer que Lacan aborde alors le phénomène hallucinatoire à partir de ce qu'il appelle les lois générales du signifiant. Il faut repérer que Lacan aborde ici la psychose à partir de la névrose. La forclusion du nom du père est subordonnée à la thèse du signifiant du nom du père au lieu de l'autre dans le champ de la névrose. Je vous cite Lacan, page 558. La carence de l'effet métaphorique provoque un trou au joint le plus intime du sentiment de la vie chez le sujet. Ah, cette phrase, elle est répétée à l'envi dans notre milieu. Elle doit être resituée dans le contexte 1958. Dans la quasi-conclusion de son écrit majeur de 58, Lacan en effet revient sur sa thèse du moment concernant le signifiant du nom du père. Non pas le père réel, non pas du père réel, hein, et il précise alors, non, c'est le signifiant qui, dans l'autre, en tant que lieu du signifiant, est le signifiant de l'autre en tant que lieu de la loi. Page 583. Faisant du signifiant du nom du père, ainsi que l'avait repéré Jacques-Alain Miller dès longtemps, une sorte d'autre de l'autre subordonné à la thèse de 1958 d'un autre préalable, quel que soit le sujet. Thèse dont Lacan s'affranchira un an plus tard en affirmant dans le séminaire Le désir et son interprétation, il n'y a pas d'autre de l'autre. C'est la méthode Lacan à l'œuvre. D'où mon schéma numéro 7, dans lequel je place à la fois cette distinction entre thèse, le couple thèse-principe et celui de la constante d'une méthode, en y plaçant les trois moments 58, 70 et 73, et en précisant ce que nous venons de voir concernant, au niveau du principe et de la thèse, le moment 58. Passons maintenant au deuxième chapitre, le moment 70, ou se faire dupe de la structure. Il s'agit donc pour nous de distinguer structure et symbolique. J'ai choisi d'isoler ce moment 70 suite, il faut bien le dire, à une contingence fortuite. Je suis tombé sur le compte-rendu d'une intervention de Lacan dont l'objet portait précisément sur la question des phénomènes élémentaires. L'intérêt du document réside dans son décalage vis-à-vis des affirmations les plus sûres de 1958. Décalage nous invitant plus que jamais à nous servir de cette boussole de lecture que je vous propose, distinguant thèse et principe du moment de la constance d'une méthode Lacan. 1970 est l'année de la formalisation par Lacan des quatre discours articulant ensemble petit a, S1, S2 et S barré. La thèse de Lacan est alors de considérer le discours de l'analyste comme le discours qui ne serait pas du semblant. Cette thèse implique le principe d'une structure prise pour le réel de la psychanalyse. La structure, c'est le réel qui se fait jour dans le langage, écrira encore Lacan dans L'étourdi,
page 476 des autres écrits. Lacan, quelques mois plus tard, n'en restera pas à ce principe structuraliste. Quelques mois plus tard, ce que j'avançais en écrivant la langue en un seul mot, c'est bien ce par quoi je me distingue du structuralisme, affirmera Lacan en 73 dans son séminaire 20, page 93. Nous y reviendrons. D'où mon schéma 8, dans lequel je précise les caractéristiques du principe 70 que je distingue du principe 73 que nous verrons ensuite. Dans ce contexte mouvant, survient l'intervention de Lacan à Sainte-Anne. Une intervention en deux parties. La première est un rappel d'où Lacan n'a eu cesse de se risquer à commettre son enseignement. La seconde porte sur les phénomènes hallucinatoires proprement dit. Voici déjà le passage crucial que j'isole de la première partie. Partons quand même de ce qui est l'objet, c'est-à-dire l'apport de la psychanalyse à la sémiologie psychiatrique. Il est évident que c'est une question qui ne peut pas m'être indifférente. Alors, quand j'y ai pensé, j'ai pensé forcément à partir du point où je dis certaines choses aujourd'hui. On ne peut pas sortir de son présent. À la vérité, je ne vois pas une montagne ni rien qui me sépare de la façon dont j'ai procédé à l'époque du cas aimé. Ça, c'est la méthode Lacan. Tout ce que j'articule dans ma thèse comme sémiologie a un certain rapport avec un point que nous appellerons le point d'acte, puisqu'il est tout à fait clair que tout ce qui est chez cette patiente, construction, délire, manifestation à proprement psychotique, est tombé net avec ce point d'achèvement spécifique et distinct de ce qui était réalisable dans d'autres psychoses. Il est rare qu'on observe le délire s'épurer comme cela, absolument radicalement. C'est très rare pour une raison qu'on peut dire relever de l'impossible. Dans ce cas, il se trouvait que c'était possible. Il est bien évident qu'alors, je n'avais pas les distinctions, les catégories que j'ai maintenant. Je n'avais aucune idée de l'objet A. En 1932, j'avais 30 ans, j'ai procédé avec une méthode qui n'est pas distincte de ce que je fais depuis. Je fais chez Domaison tous les vendredis une présentation de malade et je vais tout de suite dire ce qui me frappe. La façon dont le patient répond est ce qui fait en somme l'intérêt de la présentation en question. Il faut savoir ce que veut dire symptôme dans le champ psychiatrique. C'est là que l'aborde la psychanalyse subvertit tout. Fin de citation de la première partie. Lacan, ici, s'applique à lui-même la distinction que nous avons isolée entre thèse, principe et méthode. Il part de ce qu'il appelle, je le cite, aujourd'hui, le moment présent. Le principe 70, donc, n'est plus celui de se faire dupe du symbolique. C'est celui de se faire dupe d'une structure impliquant un reste non signifiant, mais pas hors discours, l'objet tita. Le sujet n'est plus le sujet du schéma L. Ce sujet sans barre de 58 qui emportait avec lui la question de l'existence. En 1970, le sujet devient un signifiant en moins, que Lacan écrit comme un signifiant mais barré,
Esbaré, représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Quant à l'objet, l'objet A maintenant, ça n'est plus l'indicible de 1958. C'est, je cite Lacan, le noyau élaborable de la jouissance. Citation de 67. Car la jouissance ne vient pas de l'autre, mais de la chose, écrivait Lacan dans son Dutrible de Freud. Le principe 70 n'est pas seulement il n'y a pas d'autre de l'autre. C'est aussi celui d'une cause, d'un sujet divisé, cessant de relever des seules lois du signifiant. L'objectif A est certes structuré, mais pas hors langage. D'où mon petit schéma 9, où j'ajoute, en ce qui concerne le moment 70, une nouvelle précision. Lacan, toutefois, remarquons-le, je le cite, ne voit pas une montagne ni rien qui sépare de la façon dont il procédait au tout début. C'est la fameuse méthode Lacan, une constante éthique à l'œuvre dès le cas aimé. N'est-ce pas en effet à partir et contre les imagos les plus sûrs auxquels le sujet s'identifiait qu'Aimé tente d'atteindre son propre cacone, le point acte singulier de la patiente, allant jusqu'à souffler le délire auquel elle avait affaire jusqu'à là. Passons à la deuxième partie de l'intervention de 1970, celle de la lecture par Lacan des phénomènes élémentaires à ce moment de son enseignement. Je vais d'abord reprendre avec vous littéralement le propos d'un fameux docteur Castex, présent à l'occasion de l'intervention de Lacan, puis la réponse de Lacan, une improvisation croustillante suscitée par les propos mêmes du psychiatre. Docteur Castex. Il s'agit pour nous, psychiatres, de dire « ce monsieur ou cette dame est fou ou folle ». Que recherchons-nous au travers de notre sémiologie ? Que certaines désarticulations du discours qui peut se traduire en termes de parole ou en termes de comportement. C'est pour cela qu'une PHC nous raconte un certain nombre d'histoires très intéressantes en elles-mêmes, mais que nous ne saisissons que comme non cohérente à notre discours commun. Lacan, je ne vois absolument pas en quoi une PHC n'est pas cohérente avec un discours commun. Elle entend des choses que vous n'entendez pas parce que vous êtes sourd. S'il y a quelque chose qui s'exprime selon le discours commun, c'est bien une PHC. En ce qui concerne la PHC, ce qu'il convient de saisir dans ce qu'on appelle la sémiologie psychiatrique, c'est le point où nous en sommes quant à ce qui est, à proprement parler, l'hallucination. Nous en sommes toujours au niveau du balbutiement. Nous ne savons pas ce qu'est, à proprement parler, une hallucination. Il ne s'agit pas d'une hallucination causée par je ne sais quel chatouillis quelque part. Chacun sait qu'une lésion donne une hallucinose. Mais ce qu'est une hallucination, à savoir votre PHC, nous ne sommes pas capables, dans l'état actuel des choses, de le dire. Nous ne sommes même pas capables de dire s'il entend vraiment quelque chose. Docteur Castel. C'est-à-dire que nous nous référons à une certaine croyance du malade qui dit entendre Lacan. Nous nous référons à rien du tout. Parce que je vous défie de dire si le malade y croit
ou pas. Docteur Castet, il nous dit qu'il croit. Lacan, non, justement, il ne dit même pas qu'il croit. Nous ne sommes pas capables de savoir dans ce qu'il dit ce qu'il croit. Docteur Castet, un jeune ouvrier est entré dans mon service après avoir cassé la gueule à toute sa famille. Le lendemain, il a expliqué qu'une personne morte il y a 7 ans lui parlait et que cette personne lui avait dit ce soir-là de casser la gueule à tout le monde. Que devons-nous croire ? Lacan, il est tout à fait inapproprié de mettre sous la même accolade hallucination, sous prétexte que ces types reçoivent des messages dont nous n'avons aucune espèce d'idée. C'est à partir d'un certain type d'examen, d'échange, d'interrogation, de riposte avec le patient que certaines choses peuvent apparaître, certains reliefs. Il y a un certain mode d'examen dans lequel ressort le rapport qu'il y a entre l'interjection truie et le je viens de chez le charcutier, qui est tout de même plus riche que cette notion massive de la chose prétendument auditive, mais dont on ne sait rien en fin de compte, si c'est auditif ou auditif mental, et personne ne sait sauf ceux qui y sont passés eux-mêmes. Et encore, quand on y est passé soi-même, on n'est pas capable pour autant d'en rendre compte. Parce qu'on est dans des catégories qui sont tout à fait insuffisantes pour faire fonctionner ce dont il s'agit. Je crois bien plus, en fin de compte, au terme en quelque sorte algébrique dont je me sers pour définir le fantasme, à savoir un certain rapport du sujet par nature divisé entre signifiant et objet A. Fin de citation. Deux remarques. Première remarque. La réponse de Lacan n'est pas une simple redite des affirmations les plus sûres avancées en 1958. Lacan, certes, rappelle d'abord le fondement du principe 58. Je ne vois absolument pas en quoi une PHC n'est pas cohérente avec un discours courant, discours commun. Il ajoute toutefois aussitôt, elle, la fameuse patiente du docteur Castet, elle entend des choses que vous n'entendez pas parce que vous êtes sourd. D'où Lacan peut-il proférer pareille affirmation? Nous ne sommes plus en 58. En 1970, pour voir quelque chose, il faut perdre l'objet regard, distinguer l'objet indicible de 58. C'est une affirmation subordonnée au principe d'une structure discursive dans lequel l'objet petit a trouve place et terme articulé. Pour le Lacan de 70, si une PHC est cohérente avec le discours, c'est que la structure de tout discours ne se confond plus avec les seules lois générales du signifiant, mais implique également un reste, l'objectita. C'est dès lors considérer le névrosé comme celui qui n'entend plus sa voix. Sa surdité est une conséquence logique de l'extraction de l'objet A. Aborder la question de la jouissance à partir de l'objet A trouvant terme et place dans la structure du discours débouche toutefois, repérons-le, pour Lacan lui-même, sur un problème inédit. Solution d'un côté, problème de l'autre. Quid en effet des cas se spécifiant d'être pris sans le secours d'aucun discours établi. Cette intervention de Lacan en 70
nous convoque plus que jamais à utiliser cette boussole de lecture, distinguant d'une part thèse et principes du moment, et d'autre part constance de la méthode. Lacan ici revient, certes, sur le rapport qu'il y a entre l'interjection « truie » et le fameux « je viens de chez le charcutier » de la question 58. Sauf que le principe 70 n'est plus le principe 58. L'hallucination « truie » cesse d'être cet exemple promu pour saisir les lois du symbole. Il n'est plus possible de confondre pour Lacan forclusion psychotique et irruption d'un phénomène hallucinatoire. Tous les psychotiques n'entendent pas de voix. D'où l'expression balbutiement du point où nous en sommes quant à ce qui est à proprement parler hallucination. Lacan réaffirme qu'une hallucination psychotique se distingue d'une hallucinose causée par je ne sais quel chatouillis, mais ce qu'est une hallucination, nous ne sommes pas capables, dans l'état actuel des choses, de le dire phénoménologiquement, précise-t-il en 70. On n'est pas capable d'en rendre compte, y compris lorsqu'on est passé par là, ajoute-t-il. Quelque chose de ce qui relève du témoignage de l'hallucination cesse de trouver sa référence dans les catégories. Nous y reviendrons. Deuxième remarque. Nous sommes loin de l'élégante démonstration de 1958, d'où le peu d'écrits en 1970 autour de cette année-là concernant la psychose. Le dernier grand texte de Lacan datant de 1966, à l'occasion de la parution de la traduction française des mémoires de Schreber par Paul Duquesne. Cette préface de Lacan, 4 ans avant son intervention à Sainte-Anne de 1970, marquait certes un changement crucial vis-à-vis des propos de 58. Définir la paranoïa comme identifiant la jouissance au lieu de l'autre comme telle, c'était accorder désormais une priorité à la catégorie de la jouissance. Priorité qui toutefois débouchait pour Lacan lui-même sur un problème inédit. Affirmer, je le cite, la polarité la plus récente à s'y promouvoir du sujet de la jouissance au sujet que représente le signifiant pour un signifiant toujours autre. Page 214-215 des autres écrits. C'était, certes, témoigner d'un réel impossible à confondre avec l'articulation signifiante S1-S2, mais peut-on parler pour autant d'un sujet de la jouissance? La formule est un apax dans l'enseignement de Lacan. 4 ans après la préface, l'intervention de Lacan à Sainte-Anne en 1970 prolonge et aggrave son problème. Ce problème rencontré avec la rigueur qui est toujours celle de Lacan. Un double problème. Problème en ce qui concerne la psychose. Si le noyau élaborable de la jouissance et ce reste de structure trouvant terme et place au sein d'un discours, comment rendre compte de l'expérience de jouissance que rencontre un patient qui s'avère sans le secours d'aucun discours établi?
mes problèmes également concernant la névrose elle-même. Comment rendre compte du fait que le symptôme insiste, alors même que le sujet consent, je cite Lacan dans sa proposition sur la passe en 1967, consent à ne plus vouloir lever l'option plus de jouir, là où l'objet s'avère perdu de toujours. Au-delà du problème spécifique de ce qui est en jeu dans les cas dits de psychose, c'est en fait la question transclinique d'un réel pas tout et abordable via la structure qui surgit pour Lacan. Question vis-à-vis de laquelle le Lacan psychanalysant refuse de rendre les armes. Il y a un réel transclinique. L'expérience de jouissance rencontrée dans la psychose, dénudant l'existence d'un trop singulier, impartageable, rencontré avec le corps et dont ne peut rendre compte la structure du discours de l'hypothèse inconscient. Rappelons ici que la question même de l'existence qu'emportait le sujet Grand S de 1958 disparaît dans les années 60 avec la barre divisant désormais le sujet. Le principe 70, se faire dupe de la structure, implique certes le semblant d'être qu'est l'objet ptita, mais laisse l'existence oubliée derrière l'être. D'où mon schéma 10, dans lequel je mets un point d'interrogation tous les principes 70 de cette question de l'existence. Faisons le point concernant le moment 70. Les impasses rencontrées par Lacan en 1970 deviennent autant de témoignages d'un réel que Lacan ne cesse de serrer à partir et contre ses thèses du moment. En 1970, croyance, certitude, conviction ne sont plus subordonnées au principe d'une primauté du symbolique. Ils répondent à la question de la jouissance impossible à confondre avec le sujet. Lacan rejoint Freud. La croyance, distincte de l'identification, concerne la division entre sujet et objet perdu. Reportez-vous à Freud dans son document K, et à la lettre 46 de sa correspondance avec Fliss. D'où la lecture inédite concernant dès lors la distinction entre croyance et conviction. La conviction délirante psychotique se produisant faute de croyance aux reproches impliquant dans la névrose l'extraction de l'objet A. D'où également la réponse de Lacan au docteur Castet. Nous ne sommes même pas capables de savoir dans ce qu'il dit, ce qu'il croit. L'abord de la psychose par Lacan, à partir du principe structuraliste, dénude d'une certaine manière l'exigence éthique d'une élucidation des principes. Il faudra le tout dernier enseignement de Lacan pour que la question de la psychose et celle du phénomène hallucinatoire aussi bien trouve une approche inédite, non plus à partir de la névrose, mais commise à partir de l'existence d'un réel sans loi, hors structure, transclinique, intransposable d'un cas à un autre cas, et toujours rencontré. D'où mon schéma 11, où à la question de l'existence, nous embrayons directement
sur le troisième chapitre de mon intervention, le moment 73, où se faire dupe du réel. Je cite Lacan. Il faudrait aussi comprendre pourquoi une phrase a une durée limitée. Cela, la métaphore ne peut pas nous le donner. Souvenez-vous de ce qui peuple hallucinatoirement la solitude de Schreber. Nun will ich mich. Maintenant je vais me. Ou encore, Sie sollen nämlich. Vous devez quant à vous. Ces phrases interrompues, que j'ai appelées messages de code, laissent en suspens je ne sais quelle substance. Page 115 du séminaire encore. Ah, la solitude. Pas un des interviewés du film de Georges Léon pour ne pas s'y référer. Mais qu'appelle-t-on solitude, ou plus exactement, que Lacan appelle-t-il solitude ? Point ici d'un moins placé sous l'égide du semblant phallique, ce manque à être inhérent à Esbarré, au principe de la plainte, de la revendication auprès de l'autre. Point non plus ici de se prendre pour le seul, la seule à l'occasion. La solitude à laquelle Lacan se réfère dans le séminaire 20 est celle d'un trop, impliquant une jouissance hors structure, impossible à dissoudre dans la solution discursive, impossible à confondre avec le plus de jouir et saint petit a dont on ne jouit que mentalement. Il y a ce qui relève du moins du sujet couplé à l'en plus que produit le signifiant maître sous couvert de langage S1-S2. C'est mon petit schéma 12. Le moins du côté du S barré, le plus du côté du petit a. Et il y a ce qui relève d'un trop qui existe à la structure du discours. C'est mon petit schéma 13, où je distingue radicalement le trop hors discours du plus à l'intérieur du discours. Un trop de jouissance hors mentalité, éprouvé avec le corps, corps qu'on a, qu'on n'est à aucun degré, précise alors Lacan. C'est mon petit schéma 14, où je distingue ce qui est du côté du corps, hors discours, énigme, hors discours, du mental qui, lui, est le discours. S'écrit comme un discours. Une jouissance hors structure, ne relevant pas de la supposition d'être inhérente au seul fait qu'on parle, par l'être, écrira Lacan, mais qui relève d'une existence d'un indéterminé. Vous trouvez le terme dans le séminaire 20, page 22. S2, Lacan ici équivoque entre S2 et le E-E-U-X, S2 dont je parle, questionne Lacan encore dans ce même séminaire. D'où mon petit schéma 15, où je distingue existence du côté du hors-structure et supposition d'être du côté de la structure. Solitude d'une jouissance, donc, différente de la jouissance mentale que produit le binaire signifiant. Jouissance de tel bout de langue hors sens,
dès longtemps entendu, venu marquer le vivant d'un corps dont on ne sait pas ce que c'est, sinon qu'il se jouit, précise encore Lacan. Autisme donc, d'une certaine manière. Oui, mais alors transclinique, et surtout pas du sujet, mais d'un corps dont la rencontre, hors discours, nous rend plus que jamais étranger à soi-même. D'où mon petit schéma 16, où j'ajoute la distinction entre autre à soi-même, côté hors structure, de la supposition de l'autre inhérente à l'hypothèse structure. Incluse dans Grand S 158. Puis oublié au profit du semblant d'être de l'objet Tita. L'existence revient avec le tout dernier enseignement de Lacan. Pour concerner cette fois un trop, sans loi, sans autre, dénudé chez celui qu'on dit schizophrène, sans le secours d'aucun discours établi. Et si vite oublié dans la névrose, derrière la couverture qu'offre alors l'habit discursif. Existence qui toutefois n'oublie pas le névrosé, ce dont témoigne l'insistance de son symptôme, malgré son interprétation la plus rigoureuse permise par la structure discursive. D'où mon petit schéma 17, où j'ajoute, côté hors structure, le versant réel du symptôme, et côté structure, son versant organisé, l'enveloppe formelle du symptôme névrotique. Isoler un versant réel du symptôme, malgré l'organisé de son enveloppe formelle, c'est renoncer à une foi dans la structure. Voyez l'étourdi, précise Lacan dans le séminaire encore. Je n'ai pas dit le dire reste oublié. J'ai dit qu'on dise. Ah, le moulin à prière de distinguer le dit et le dire. Lacan précise. C'est bien ce qu'on avait tous lu dans l'étourdi, au fond, tous compris de l'étourdi. Lacan rectifie, précise, quelques mois plus tard, en distinguant le dire, dire secours, dira Lacan, hein, du qu'on dise, qui est un acte. En 1970, on en savait plus qu'on en disait. C'est le savoir inconscient. Avec le tout dernier enseignement de Lacan, on en dit plus qu'on en sait. D'où mes schémas 18 et 19, où je distingue le qu'on dise hors structure du couple du dit et du dire secours côté structure, et où j'ajoute côté hors structure, on en dit plus qu'on en sait, et côté structure, on en sait plus qu'on en dit. Il s'agit désormais de se faire dupe d'un réel faisant pâlir le discours lui-même, d'où mon petit schéma 20. Se faire dupe d'un réel hors structure. D'où le crucial du « d'où » l'on se fait partenaire du dérangement singulier dont témoigne chaque patient. Comment favoriser? En tout cas, comment déjà ne pas empêcher que l'existence inouïe d'un sans autre qui s'itère dans l'existence parvienne
à destination. Distinguons ici radicalement adresse, qui suppose l'autre, et destination. Il y a ce qui relève du sens joui, de la jouissance mentale. Ce que Lacan écrit « joui », j'apostrophe « oui », sens, entendre un sens, entendre le sens joui. Celui du essaim petit a relevant de la supposition d'être. Et il y a l'inouï d'existence d'un. En deux mots, inouï. Ce n'est pas le jouissance. C'est ce qui s'insiste, hein, malgré le sens que j'arrive à ouïr de ma jouissance. L'inouï d'existence d'un sans autre, sans pourquoi. L'ouïssance, le jouissance, est en lui référé à une cause. Inouï dont se jouit le corps et dont dès lors je suis responsable puisque sans autre. Réduit à son image petit i de petit a en 58. Puis second à l'extraction de l'objet a en 67. Le corps qu'on a cesse à partir de 1973 de pouvoir être confondu avec le partès extra-partès de la surface étendue. Vous trouvez cette récusation, page 26 de Encore. Le corps devient vivant, n'étant noué à l'inconscient que par le réel dont il se jouit. Il n'est noué à l'inconscient, inconscient second, que par le réel premier dont il se jouit. L'hypothèse inconscient comme supposition de structure, hein, répondant à un réel toujours déjà rencontré. Un « il y a d'existence », à quoi répond la structure inhérente à l'hypothèse inconscient. Distinguer ce qui relève de la jouissance mentale, supposant l'autre, et ce qui relève de l'existence sans autre, n'est pas vouloir annuler la jouissance phallique du névrosé. Ça n'est pas nous transformer en lune. C'est soulager la jouissance phallique hors corps de prétendre s'équivaloir à l'existence d'une jouissance autre, hors mentale, rencontrée avec le corps. C'est dès lors pour chacun, y compris dans la psychose, donner chance à compte d'auteur d'un savoir-y-faire symptomatique avec l'un, là où cesse le secours qu'offre la structure du discours. C'est aller à rebours du ravage que peut produire la supposition d'être, tout spécialement hors névrose, dans les cas sans le secours d'aucun discours établi. Ravage poussant à incarner sans cesse davantage et jamais assez l'être qui n'existe pas, et qui serait équivalent au essaim du langage, de ce que rien d'existant ne fasse limite à la fonction, écrit Lacan en 1972 dans L'étourdi, autres écrits, page 466. Souvenez-vous de ce qui peuple hallucinatoirement la solitude de Schreber, laissant en suspens je ne sais quelle substance, page 115 du séminaire Encore. La substance jouissante est celle d'un corps ayant toujours rencontré déjà l'existence d'un. Une coalescence, dit Lacan, du corps avec tel bout de langue. Bout de langue incurable, sans autre, sans être, ayant marqué le vivant du corps. Solitude donc, dénudée dans la psychose, puisqu'alors non couverte par l'enveloppe formelle du symptôme, et une solitude d'existence que le phénomène hallucinatoire peut si vite alors venir peupler. S'entendre soi-même, hors extraction de l'objet voix, relève d'une supposition d'être mental,
venant boucher l'existence d'un rencontré avec le corps. L'hallucination, c'est le voisin tout le temps là, disait Francesca Biaggi dans un reportage sur les entendeurs de voix que Gérard Miller nous présenta cette année à Villévrard. Les voix sont l'assurance qu'il y a un autre, répondant à la rencontre ayant toujours déjà eu lieu d'un réel sans autre. Cette voix extérieure, ce n'est pas le plus grave, affirmait un autre patient du reportage de Gérard Miller. En 1967, la pensée se décline avec l'être. En 1973, pensée et être viennent tous deux oublier l'existence. Tu dois mourir, entend tel entendeur de voix. Crève, entend une autre. Rappelons que la mort, impensable, relève de la pensée. Un « tu es », certes ravageant, mais bouchant la solitude d'une existence, elle, vivante. Le ravage du son entendu mentalement oublie l'existence d'un sans être toujours déjà rencontré. C'est ce sans autre, sans pourquoi, se rappelant ou par l'être dans telle circonstance hasardeuse, qu'il s'agit de ne pas oublier à rebours de l'entendu hallucinatoire supposant l'autre. Sans doute, tenir compte de cet un sans autre ne peut-il être isolé que de soi-même. Cela relève d'un goût. Un goût qui ne s'acquiert pas, mais s'éveille parfois avec l'expérience d'une analyse. Encore faut-il que le partenaire analyste n'aille pas contre un tel goût. Par exemple, en se délectant d'une lecture de l'hallucination entreprise à partir de la logique structurale. Non pas qu'il s'agisse de faire l'impasse sur la logique, mais que la logique elle-même, obscène de la logique elle-même, écrit Lacan dans sa conférence Joyce and Symptom, pâlisse devant l'enjeu éthique d'une prise en compte ou non de ce qui, pour chacun, échappe à toute logique structurale. D'où le terme de forclusion généralisée, dès longtemps proposé par Jacques-Alain Miller, pour tenir compte de ce « il y a d'existence hors structure » éprouvé avec le corps, impossible à métaphoriser, si vite oublié derrière la structure du discours. D'où mon schéma 21, hein, où j'ajoute l'existence à quoi répond tout discours. Ce trop qui fait trou dans le symbolique est une invite à généraliser la perplexité. En 58, le vide énigmatique qui se présente d'abord est le résultat de phi zéro, la psychose qui a particulier au regard de la névrose prise comme modèle. En 73, la perspective se renverse. Il y a un réel transclinique sans loi, sans pourquoi, auquel chacun a affaire avec son corps. La psychose d'être cesse à ce moment-là d'être lue par Lacan comme un cas particulier vis-à-vis du cas général de la névrose. Référer à l'existence d'un sans autre, la perplexité devient en quelque sorte elle-même transclinique. Perplexité vient du latin plexus, qui veut dire enchevêtré, impossible à dénouer.
En 1958, l'existence incluse dans le sujet trouvait un index avec la métaphore paternelle au-delà de l'autre symbolique. En 1973, l'existence relève de l'un sans autre, hors sujet, éprouvé avec le corps. D'où mon petit schéma 22, où je mets en tension ce que nous avons vu en 58 de la place de l'existence en haut à gauche au niveau du sujet grand S, et ce que devient l'existence comme réel hors discours en 1973. Il ne suffit pas de dire que le réel soit un non-savoir. Il relève d'un « on le sait soi ». Vous trouvez écrit comme cela dans la préface à l'édition anglaise des écrits, autres écrits, page 571. Pardon. Inouï d'une jouissance sans autre, hein, éprouvé avec le corps, impossible à confondre avec le sens joui de la jouissance mentale. Autant les certitudes psychotiques de la psychiatrie traditionnelle, c'est clair avec Freud de s'avérer comme autant de modes logiques de retour de la jouissance, identifiant la jouissance au lieu de l'autre dans la paranoïa, faisant retour dans le corps lorsqu'il s'agit du schizophrène, ou encore identifier à la chose dans la mélancolie. Là, la structure vaut, les structures valent. Autant la perplexité première au regard des différentes certitudes est, elle, hors structure, transclinique, impartageable, au un par un, solitude éparse. D'où mon schéma 23, où j'ajoute perplexité comme hors structure et croyance ou certitude côté structure, et tentons de conclure. Pourquoi tu simules ? Crève ! Entendait dans sa tête une jeune patiente de Ville-Évrard. Eh bien, ce n'est pas la même chose de lire le phénomène rencontré par cette adolescente à partir de l'impaire, impaire que incarnait à sa manière le professeur félicitant son élève d'avoir réussi juste avant un vrai oral au point de susciter, je cite le professeur, au point de susciter le silence des autres élèves, ou bien de lire ce crève entendu dans la tête, dans sa tête comme un contenu mental venant boucher l'existence d'un bout de réel hors sens, toujours déjà rencontré avec le corps, rendant la jeune fille étrangère à elle-même. Il s'agit de permettre, ou de moins, de ne pas empêcher la patiente elle-même de parvenir à tenir compte de ce bout de langue dès longtemps rencontré, à quoi répond l'impasse réitérée de vouloir s'entendre soi-même. Cette patiente témoignait de comment elle avait utilisé elle-même des enregistrements de sa performance en cours d'anglais. En 1973, l'hallucination devient pour Lacan une survenue contingente, subordonnée à une question éthique personnelle. Veux-je ou ne veux-je pas tenir compte de cet un impartageable, impossible à confondre avec l'élucubration de la pensée ? Question convoquant le goût personnel de chacun. J'ai vu récemment à ma présentation de malade, témoignait Lacan dans son séminaire en 1977, un Japonais qui avait quelque chose que lui-même appelait écho de la pensée. Que serait l'écho de la pensée si Clérambeau ne l'avait épinglé ? Ce Japonais a glissé dans l'automatisme mental. C'est normal, l'automatisme mental. Il se trouve que si j'en ai pas, moi, c'est un hasard. Il y a quelque chose qui peut s'appeler de mauvaises habitudes.
si on se met à se parler, à se dire des choses à soi-même, comme s'exprimait textuellement le dit japonais, pourquoi ça ne glisserait-il pas vers l'automatisme mental? Vous trouvez ça dans l'Ornicard 17-18, page 23 du séminaire de Lacan, que Jacques-Alain Miller a intitulé « Vers un signifiant nouveau ». Cela nous renvoie au dernier schéma qui ramasse l'ensemble de cette conférence que j'ai eu le plaisir de mener avec vous. Merci. Remercie vivement Yves Claude de son exposé. Je le remercie d'autant plus qu'il a donné ce cours dans la section clinique, c'est-à-dire un lieu d'enseignement, voire de formation, où nous sommes tenus d'interroger la psychiatrie et le trésor clinique, et que nous sommes obligés, parce que nous y faisons, dans ce cadre-là, des présentations de malades, et que nous sommes donc affrontés à des malades hospitalisés et au discours qui s'y tient ou qui a pu s'y tenir. Ça me semble un point crucial où on est interpellé dans ce nouage et dans les nouages possibles entre la psychiatrie, notamment le trésor clinique, et la psychanalyse. Donc tu vois pourquoi je te remercie doublement en quelque sorte, l'exposé lui-même, remarquable, et le lieu même où tu le fais, et avec ceux qui nous écoutent. Le deuxième point, c'est un dialogue que l'on trouve au début de la création de la section clinique de Paris entre Jacques-Alain Miller, qui n'exerçait pas encore la psychanalyse, et Lacan lui-même. Et je crois, je vais préciser quel est le ressort de ce petit dialogue, comment il a constitué au fond l'enjeu même des sections cliniques et que nous continuons à mettre à l'épreuve. Miller demande à Lacan: est-ce qu'on peut utiliser les concepts de la psychanalyse à propos des psychoses? Et il ajoute tous les concepts de la psychanalyse. Et comme si Lacan, Miller craignait qu'il ne saisisse pas exactement de quoi il s'agit, il lui précise: mais alors, est-ce qu'on peut dire le petit A, le grand S barré, le grand A barré, etc., dans la psychose? Et Lacan lui répond: oui. Miller énumère d'autres concepts, et Lacan lui dit: oui, 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 mais je ne le vous démontrerai pas aujourd'hui. Mais oui, oui, oui. Et c'est en quelque sorte, parce que tu en penses, mais l'enjeu des sections cliniques, d'avoir pris au sérieux la réponse de Lacan à la question de Miller et de tirer des conséquences. Et je crois que c'est ce que tu as fait, chaque fois en prenant des concepts spécifiques datés dans l'enseignement de Lacan et voyant quels usages est possible dans les psychoses. Alors que nous avons connu, ça tient à notre âge, du temps notamment dans l'école freudienne de Paris, où justement un grand nombre de concepts de la psychanalyse étaient récusés à propos des psychoses. L'angoisse, non, 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 pas dans la psychose, et ils trouvaient un autre terme. Par exemple, c'est celui de déréliction, l'objet petit A. Non, 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 c'est pas pareil. Autrement dit, une conception presque déficitaire du point de vue des concepts de la psychose ou des psychoses par rapport aux concepts produits et inventés par Lacan. Donc, c'est vraiment un point déterminant. Alors, juste une remarque, parce qu'il est 13 heures un petit peu passé, donc on va être assez bref, mais c'est pour dialoguer avec toi comme nous le faisons souvent. Je crois que chaque fois que nous nous voyons, même si nous ne préméditons pas, nous parlons de cette psychiatrie. Et parfois, il faut bien que le reconnaître, on se désole que certains l'oublient, soit certains la méconnaissent ou ne veulent pas en entendre parler. Et pourtant, elle est autrement fine. C'est un exemple ancien. Il y a 30 ans à peu près, le professeur de psychiatrie qui tenait la chaire, s'appelait comme ça à l'époque, m'avait demandé de faire une présentation de malade. C'était un phénoménologue, donc il avait l'avantage d'avoir la culture, il lisait l'allemand et dialoguait notamment avec Husserl et quelques autres. Et on avait parlé comme ça assez longuement de l'hallucination, justement. J'avais écouté son équipe, les jeunes internes qui traduisaient Husserl, traduisaient même Tellenbach et la mélancolie, etc. Tout ça a été publié.
je ne comprenais pas grand-chose à propos justement du phénomène hallucinatoire. Et pour la présentation, je m'étais dit, il faut que je relise le début de la question préliminaire où il y a cette fameuse distinction entre le percipiens et le perceptum, et de voir si ce n'est pas un outil utile pour justement la présentation, plutôt que d'écouter ce qu'il me disait très gentiment, et qui me semblait certes très intéressant et précieux au niveau descriptif, mais où on ne saisissait pas le ressort causal. Pourquoi ? Parce que même la phénoménologie la plus intelligente articule l'hallucination par rapport au percipiens, par rapport au percevant, et c'était un acquis par rapport à une psychiatrie antérieure qui réduisait l'hallucination à un dysfonctionnement du sensorium, comme dit Lacan, c'est-à-dire l'appareil des sens. Alors, il y avait un acquis de la phénoménologie, c'est-à-dire interrogeons-nous sur le percipiens plutôt que sur le sensorium. Et si on lit très précisément, après on va passer des heures, les deux, trois premières pages de la question préliminaire que tu as commentées, c'est que Lacan ne dit pas ça. Il dit c'est le perceptum lui-même qui est structuré par le signifiant. Le perceptum en latin, c'est un participe passé, c'est-à-dire c'est le perçu. Et que ce qui pose problème, c'est que le perçu qu'on pourrait imaginer croire être la réalité et qui en quelque sorte ne serait plus perçu par l'appareil percevant grâce au sensorium, eh bien, c'est pas du tout ça, le perçu subjectif, le perçu mental. C'est qu'il est structuré par le signifiant. Et là, on avait des perspectives inouïes sur le plan clinique. Par exemple, on pouvait saisir les fins crépusculaires du monde, comme Schreber en porte le témoignage. Et si on n'a pas cet outil, c'est le perceptum qui est structuré par le signifiant, on ne comprend plus, même, bien sûr, Schreber, mais on ne comprend plus le moindre jeune homme qui entre dans la schizophrénie et dont le monde se dématérialise, où les sons deviennent plus faibles et où les couleurs même s'assombrissent. Donc, vous voyez, tu vois, c'est ça que je voulais dire. C'est une référence datée, bien sûr, de 58. Mais on a déjà quand même là des éléments que si on les met à l'œuvre avec le trésor clinique, il y a des perspectives déjà inouïes qui nous permettent de sortir, au fond, de la psychose. Ben, évidemment, leur percevant n'opère pas comme il faudrait. Donc, on sort de cet élément. Le deuxième, très brièvement, je trouve ça formidable, c'est encore une référence du début, quand tu parles de l'objet indicible. Et tu fais une clinique différentielle qui souvent n'est pas faite, et je le regrette, donc tu dates chaque fois la formulation pour ne pas les confondre, et c'est très juste. Tu dis qu'il ne faudrait pas confondre l'objet indicible avec le statut de l'objet A, tel par exemple qu'il le formule dans le séminaire de 64. Ce n'est pas l'objet pulsionnel. Ça me paraît très juste, une petite question. Si au fond cet objet indicible, ce n'est pas, dans la question préliminaire, la trace, l'existence conceptuelle de ce que Lacan a formulé dans son séminaire sur l'éthique, à savoir Dasding. L'objet indicible, c'est un fragment de Dasding à l'intérieur d'une clinique de l'interlocution basée sur la logique symbolique qui essaye d'en rendre compte avec l'opposition code-message. Or, ce séminaire, l'éthique de la psychanalyse, fait rupture par rapport à ce qui précède, puisqu'il n'est plus la logique du signifiant, mais c'est une réalité muette qui commande, et que le dernier mot, c'est motus, silence. Donc, il me semble que là, on a déjà chez Lacan, enfin, au sens d'une pierre blanche pour ce qui suivra, une clinique que certes, ensuite, il reprendra dans une sorte d'affirmation structuraliste, mais qui déjà inclut le point qui ne peut être pris par le structuralisme. Un autre point, puis ensuite j'arrêterai, j'en avais trop nombreux étant donné le temps qui nous reste, c'est cette distinction fondamentale qui est cruciale pour les cliniciens, même s'ils n'exercent pas la psychanalyse, même s'ils sont psychiatres à l'hôpital, même s'ils n'emploient pas nos termes, c'est la distinction que tu fais entre structure et là où la structure en quelque sorte n'opère plus. Et donc, tu distingues deux réels, le réel rationnel, qui est celui qui permet de construire la structure, et qu'on retrouve encore déjà dans l'étourdi où il dit la logique comme science du réel. Mais là où Lacan n'est plus structuraliste, c'est quand, par exemple, dans le séminaire sur Joyce,
il dit alors là, le réel est sans loi. Ce n'est plus le réel rationnel, c'est le réel est sans loi. Et on passe d'une problématique de l'être à l'existence, existence, et on a une clinique nouvelle. Donc, je ne vais pas refaire ton exposé et d'y reposer des questions sur chaque point, parce que ça serait certes passionnant, mais trop long. Mais c'est pour insister auprès de ceux qui nous écoutent que le travail que tu as fait est crucial quand on fait de la clinique, est crucial quand on fait de la clinique et qu'on se pose la question de quid de la psychose, quand même systématiquement décrite par les aliénistes puis les psychiatres, si on veut bien prendre la peine de tirer des conséquences de la réponse de Lacan à Miller. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les concepts de la psychanalyse? On peut tous les utiliser. Oui. Et ça, c'est un enjeu. Tu as dit éthique, ça me paraît très juste. C'est un enjeu éthique pour chaque clinicien. Ne parlons pas de l'enjeu éthique du psychanalyste. C'est-à-dire qu'au fond, aborder la psychose nécessite d'en passer par ce travail extrêmement rigoureux de déconstruction des concepts, de voir les usages possibles. Et si on ne le fait pas, bien sûr, il me semble qu'avec les psychoses, on ne va pas très bien comprendre ce qu'on observe, même si avec l'habitude, l'âge, etc., on peut avoir un savoir-faire et pianoter sur les réponses automatiques. Bon, ça, évidemment, c'est toujours possible. Mais ce n'est pas quand même tout à fait l'enjeu. Et en même temps, la fin de ton exposé pose une question qui sort des psychoses stricto sensu pour poser la question de la psychanalyse, de la vérité menteuse, de la fiction, etc. Voilà, c'est très, très brièvement les quelques petites remarques que je voulais faire en sachant que ceux et celles qui nous écoutent par rapport à une section clinique. Qu'est-ce que tu en dis, Claude? Je trouve que tu conclus très bien ce temps passé ensemble. J'ai trouvé très juste et très pertinent ta réflexion concernant la question que pose Jacques-Alain Miller à Lacan à l'ouverture lors de la création de la section clinique en 73. Il faut voir toute l'ironie qu'il y a quand Lacan répond « mais oui, mais oui, mais oui ». Certaines, il y a une ironie là-dedans, c'est-à-dire que précisément le concept, il ne s'agit en aucun cas de ne pas s'en servir, il faut s'en servir. Mais c'est pour parvenir à s'en passer. C'est-à-dire que c'est toute la méthode Lacan qui est là. Hein. Et précisément, la question que dénude la psychose, là où justement la structure trouve à être d'une certaine manière à pâlir, hein, par ce qui est rencontré et éprouvé dans le corps, n'est pas une invitation à faire l'impasse sur les concepts, hein, mais c'est précisément s'en servir absolument pour arriver à s'en passer, c'est-à-dire isoler cet os qui, lui, ne se laisse pas dissoudre par la structure, par l'élaboration, par le concept. Hein. C'est donc tout sauf s'en passer du concept. Et c'est pas aller délirer en utilisant des concepts bis, hein, mais c'est bien par rapport à la question même du concept qu'il s'agit justement, hein, de s'en passer à condition de s'en servir. C'est, oui, et tu vois un peu l'enjeu que ça a pu constituer. Lacan dit ça donc à l'ouverture en 73. Le texte est accessible, on le trouve dans un des numéros d'Ornica. Et quand j'ai commencé à travailler dans les groupes analytiques, c'était en 1977, après ma thèse, eh bien, on entendait chez les élèves de Lacan, même ceux qui le voyaient chaque semaine, l'idée que non, les concepts, tous les concepts ne pouvaient pas être utilisables à propos des psychoses. C'est-à-dire que la phrase de Lacan, elle est ironique, dans le sens où tu viens de le préciser, mais également, elle va contre à ce qui finissait par se dire dans sa propre école. Absolument, absolument. Elle est l'ouverture à l'association libre, à l'élucubration personnelle, qui est absolument à distinguer de la puissance même de la structure, de la rigueur de la structure. Hein? Au fond, baisser d'un cran ce que permet la structure, c'est-à-dire la référer à un réel, lui, hors structure, n'est en aucun cas confondre la rigueur de la structure avec l'élucubration personnelle des uns et des autres
qui est bien entendu la fin des haricots. Hein? Je trouve que c'est très net déjà dans ce que tu disais de cette affinité entre l'objet indicible en 58 hein, et la chose. Mais précisément, le concept de la chose, qui est quand même un concept heideggerien, hein, au départ, c'est la chose faite, perdue de toujours par le langage. C'est ça le vase d'Heidegger, au fond. Hein? Et donc, ça n'est pas la même chose que le renversement que va faire Lacan ensuite d'une chose à quoi répond, on pourrait dire, la question du langage. Hein? Et donc, on voit à chaque fois, justement, ce souci de s'appuyer hein, absolument sur ce qui est le plus sûr, non pas pour le transformer, justement, en dogme ou en religion, hein, mais à partir et contre ce qui est sûr, isoler à chaque fois un point, un problème, hein, qui lui résonne avec la question d'un réel, qui a été sa constance, qui est la méthode Lacan. Hein. Mais ce qui va dans le sens d'opposer cet objet indicible à la définition du statut de l'objet au sens de l'objet petit a, le texte même de la question préliminaire l'interroge comme tu le fais. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a l'objet indicible, qui peut par exemple prendre la forme du cacon, c'est bon, oui. Dans, soit le cacon repéré chez l'autre, ça sera la paranoïa, soit le cacon interne en quelque sorte, qui fait le mélancolique. Mm-hmm. Mais il y a aussi une annotation dans la question préliminaire où l'objet petit a, lui, est réutilisé dans une visée de traitement, et c'est la petite note qu'ajoute Lacan, où il dit que le président Schreber, au moment de la défécation, c'est le témoignage de Schreber, oui. Au moment de la défécation, oui. Il y a un apaisement du délire. Absolument. Et que donc, ça pourrait être un outil clinique qui a été utilisé, repris par certains collègues, je pense certaines remarque à propos de ce texte, aussi bien en son temps de Michel Sylvestre qu'ensuite d'Éric Laurent, où effectivement, ça nous indique que le resserrement autour de l'objet produit un effet, d'où la place possible du dispositif analytique, voire du dispositif de soin, y compris dans sa géographique. Tu as suffisamment été chef de pôle pendant longtemps pour savoir qu'il y a des psychotiques qui tournaient autour de l'hôpital toute la semaine et que ça avait un effet de resserrement. On voit donc que l'objet indicible, on pourrait dire, c'est ce malheur qui fait la psychose dans son caractère unique, et en même temps l'objet A qui devient, lorsqu'il est ensuite utilisé avec un doigté clinique, vient au contraire produire une modalité de resserrage et de traitement qui s'oppose à la dispersion métonymique, par exemple, ou à l'errance. Ça me semble, cette clinique extrêmement fine que tu n'as cessé de déployer, j'ai l'impression de mettre un peu mes gros doigts là-dessus, mais néanmoins, cette clinique extrêmement fine, elle est opératoire, y compris dans les prises en charge cliniques à l'hôpital, ne parlons pas au cabinet. Tu es d'accord qu'il y a cette dimension de boussole? Absolument. Absolument. On a ça dans le film Mitra. On a ça déjà dans le film Mitra, où vraiment, on voit nettement les moments où le partenaire tente de faire accuser de réception. Je pense tout spécialement à ce monsieur très malade, sans doute une psychose infantile déjà, et donc qui se retrouve hospitalisé, accueilli dans cette institution, et il a sa petite trouvaille symptomatique avec laquelle précisément se resserre son être. Hein? Et quand le partenaire se fait accuser de réception de sa trouvaille, hein, il y a quelque chose qui justement se resserre pour lui et s'apaise. Mais par contre, quand le partenaire veut ajouter quelque chose, y compris avec ce magnifique chant, hein, mais quand ça n'est quand c'est ça prétend faire lien social et non pas accuser de réception de sa trouvaille, il fuit, il prend la tangente, il ne supporte pas, ou en revient lui-même à sa manière de resserrer son être
hein, c'est-à-dire tenir compte de ce qui n'est pas l'élucubration, qui n'est pas le lien social, mais précisément quelque chose qui est éprouvé dans le corps, sa petite trouvaille à lui. Hein. Et donc, on voit là, on a les deux bouts, hein, à chaque fois, comment se faire partenaire, comment ne pas empêcher la trouvaille, je dirais pas par le sujet, par l'être lui-même, de comment faire, comment bricoler avec ce qui existe à la structure, au fond. Mais écoute, Yves-Claude, on parlerait pendant des heures. C'est vrai. Il est 13h21, donc je te propose, si tu es d'accord, beaucoup vont regretter de ne pas avoir pu poser des questions, dialoguer avec toi, évidemment, et j'en suis désolé, mais c'est un peu le dispositif en plus avec Zoom. Donc, je te propose, si tu es d'accord, d'en rester là. Tout à fait. Je voulais te remercier vraiment beaucoup au nom de toute la section clinique et des collègues. Et puis, comme je le fais quand on est en privé, eh bien, Yves-Claude, je t'embrasse. Eh ben, je t'embrasse aussi. Et un grand merci et un grand à bientôt à chacun qui a participé à cette émission. Et bravo à Pamela qui a su retrouver le plein écran, qui était absolument que la machinerie ne marche pas. Absolument. C'est vraiment très important. Donc, merci à tous et à bientôt. À bientôt aussi.